un collectif d'avocats ougandais composé de maîtres Kabega, Bugezi et Bukenya ont adressé une lettre au chef de l'État, au chef de la police de Kampala, demandant le blocage du concert de Fally Ipupa prévu dans la région. Les avocats représentent leurs clients Tseka Mbala Yannick et Tabani Bouta Jonathan et soulèvent plusieurs points dans leur demande. Tout d'abord, ils font référence à un contrat signé entre leurs clients et l'artiste congolais Fally Ipupa, qui devait se produire le 13 et 14 décembre 2019. Cependant, selon les avocats, Fally Ipupa n'a pas respecté le terme du contrat malgré avoir déjà perçu la somme de 65 000 euros de leurs clients. En outre, les avocats font valoir que selon l'article 2 du contrat, Fally Ipupa ne devrait signer aucun contrat de performance en Ouganda, sauf avec leurs clients. Ils affirment avoir reçu des informations selon lesquelles Fally Ipupa aurait l'intention de donner un concert cette semaine en Ouganda, ce qui est en violation présumée de termes du contrat. Les avocats font également des allégations contre le manager de Fally Ipupa, le qualifiant de criminel et affirmant qu'il tente d'obtenir de l'argent par les billets de faux prétextes. En conséquence, les avocats déposent une plainte et demandent à la police d'arrêter immédiatement la tenue du concert de Fally Ipupa en Ouganda. Ils exigent également le remboursement de leurs clients, y compris des indemnités pour le préjudice subi. De plus, ils demandent l'arrestation de Fally Ipupa dès son arrivée en Ouganda. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Table Ronde, la maison de l'excellence AMTV. Derrière la caméra, c'est Glody Messa. À ce côté, il y a Pichu Mancia. Je demande comme ça à Glody de m'aider à dire bonjour à mon invité du jour, Thierry Mombaya. Bonjour Spirito. Bonjour audience, bonjour également à toute la communauté famille AMTV. Comment vas-tu? Bien en forme. En tout cas, très contente de te revoir encore depuis la dernière fois. Vraiment. Bien que je ne suis toujours pas complètement guérie, je ne me sens pas vraiment, vraiment très bien parce que là, vous sentez que je suis en train de m'essouffler à tout bout de champ. Mais j'espère que ça va aller. Bien que tu n'as pas demandé mon état de santé et spirituel, parce que nos canaux. Merci. Ça, Laura Batapoto, merci. J'ai bien. On va faire ça. Très bien la vie en tout cas. Merci beaucoup. Alors Thierry, suite à une affaire qui s'est produite dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 entre camps rivaux, un homme, Loïc K, âgé de 23 ans, a été renversé par la voiture qui s'avère de MHD, l'artiste Mohamed Sila, tabassé et poignardé de plusieurs coups de couteau. Après des années d'enquête, le coupable a été retrouvé et condamné à 10 voire 18 ans d'emprisonnement. Parmi eux, il figure MHD qui est condamné à 12 ans de prison. Bon, c'est vrai que quand les dossiers passent entre les mains de la justice, il y a toujours à boire et à manger. Et il se passe pas mal de choses. Après moi, c'est ce que je dirais. L'histoire des MHD doit servir des leçons, je dirais même des références pour tout le monde. Ce n'est pas seulement aux artistes ou aux personnes connues, élevées en dignité, je ne sais pas moi, mais ça doit servir de leçon pour tout le monde. Dans la vie, il faut faire très attention aux personnes qui nous entourent. C'est hyper important. Mmh. Peu importe la position que ces personnes-là occupent dans ta vie, il faudra apprendre à placer des limites. Vraiment que chacun puisse se retrouver dans son coin, apporter ce qu'il peut apporter, mais qu'il reste dans un coin approprié. Parce que depuis que cette histoire a commencé, je pense que ça date. Hein, oui, 2018. Depuis 2018, nous sommes en plein 2023. Donc, 5 ans après, le jugement est tombé. Pendant ces 5 années, c'était quoi le discours de MHD? Je pense qu'il a été au départ incarcéré, ensuite relaxé, et puis à nouveau, ou cette fois-là condamné définitivement.
lui-même, l'artiste, le concerné, il disait ceci, que c'est pas lui. Bien que la silhouette lui ressemble parfaitement, si vous voulez, mais c'était pas lui. Donc, il échangeait facilement ses habits avec ses potes, il partageait presque tout, la voiture, les habits, tout le reste. Admettons que ça soit vrai, sa version des faits. Donc, il est victime de son entourage. Oui. Donc, clairement, il est victime de son entourage. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? Surtout les jeunes, parce qu'après MHDC, il est encore très jeune. Le succès peut te tomber dessus comme ça, tu es trop jeune, à peine tu commences, tu as déjà un parcours, je sais pas moi, ou comment ça arrive. Mais il faudrait faire très attention avec l'entourage, parce que l'entourage peut t'aider à monter, mais ça peut aussi te clouer. Ouais. L'entourage peut t'aider à aller de l'avant, mais ça peut aussi t'aider à régresser. L'entourage, c'est comme ce que nous disons avec les médias, la télé. Ça peut t'aider à avoir une certaine notoriété, mais ça peut aussi te détruire. Oui. Tout dépendra de la manière dont tu manipules. Donc, moi, je dirais ici, la mauvaise manipulation de son entourage peut se transformer en un danger imminent. Et les conséquences sont là, comme qui dirait, les conséquences sont réelles. Malheureusement, en matière de correction, on a tendance à dire que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ouais. Alors que les conséquences, c'est très compliqué à gérer. C'est ça. Des fois même, les conséquences sont ingérables. Parce que les conséquences qui arrivent ne dépendent pas forcément de nous, mais de la situation. Là maintenant, il est coincé. Il y a sa carrière qui est exposée, qui est en jeu. Ouais. Je ne dirais pas en danger, parce qu'après, là, faire 12 ans emprisonné. Après, bon, il y a toujours possibilité de recourir à d'autres instances, faire des appels, mais aussi son attitude aussi va jouer un grand rôle dans cette histoire. Après, on t'emprisonne pour 10 ans, par exemple, tu te comportes bien pendant 5 ans, on peut t'accorder les sursis. 5 autres années, tu seras relaxé, mais après, sous surveillance, je sais pas moi, peut-être d'autres interdictions, mais les sursis est là. Dès que tu récidives, à nouveau incarcéré. Donc, un grand message pour les artistes congolais, un grand message pour les stars congolaises, un grand message pour même les Facebookers, les TikTokers et autres. Il faudrait faire très attention. Alors, trop attention même. Savoir manipuler et gérer son entourage, c'est hyper important. Si aujourd'hui, MHD se retrouve dans une situation pareille, bon, même si c'était lui vraiment, mais après, il s'est retrouvé dans une telle situation, comment? C'est ça. Donc, on va revenir, on va faire des tours et des tours et revenir sur l'entourage. Souvenez-vous, l'artiste camerounais, comment il s'appelle encore, Tenor, a connu une situation un peu similaire. Tenor. Après un accident de circulation, c'était une dame, je crois, décédée raidement sur place. Le dossier était transféré en justice aussi. La famille de la dame ne baissait pas les bras. Mais vu que tout a été bien géré, la justice, après enquête et procès, a prouvé noir sur blanc que Tenor était innocent. Mais pourquoi la justice française n'a pas prouvé l'innocence des MHD 5 ans après? Donc, j'aimerais bien prendre les côtés où il y a la leçon, les côtés où il y a les conseils pour passer ces messages à tout le monde. Celui qui aura l'occasion de nous suivre, en tout cas, faites très attention avec qui que ce soit. Parce que souvent, on a tendance à dire, ah, lui, c'est mon poteau. On a commencé ensemble. Lui, c'est vraiment les vrais, vrais, quoi. Il y a même des artistes ou les personnes, les stars qui travaillent, collaborent avec leurs frères de sang. On sait voir Gims, partout où il est, il y a son père, il y a Trésor Djuna, son frère aîné. Oui, c'est la famille. Donc, je pense que c'est hyper important aujourd'hui que nous puissions nous saisir de cette histoire pour passer un message comme ça. Un message qui va certainement pousser X ou Y à faire très attention et à veiller sur son entourage. On ne sait pas compatir à MHD, on ne sait pas dire nos compassions. On va dire quoi même? On ne sait pas compatir. On va dire quoi même? Et Béla, moi, 12 ans, c'est beaucoup. Après, voilà. Il a quel âge déjà? Ça aussi, il faut vérifier. Faut... 12 ans après, est-ce qu'il saura rebondir? Il a déjà moins 12 ans, est-ce 35 qu'il, ans. Il aura la possibilité de refaire surface? Après, chaque 10 ans, les choses changent. Et les mouvements rap, il y a des rappeurs, il y a les mouvements hip-hop, il y a tous ces mouvements. Chaque jour, il y a un artiste qui naît. Et imaginez maintenant, 12 ans après, qu'est-ce qui va arriver?
Donc c'est chaud, c'est compliqué. Je suis en train de perdre ta place et il y a d'autres qui... Vu qu'il y a de nouveaux artistes à tout bout de champ, donc... Après, je ne sais pas comment est-ce que la justice française gère ces genres de situations. Mais sous d'autres cieux, il y a possibilité, tu es emprisonné, oui, mais tu enregistres en prison. Le son. Oui. Ouais, on a vu, c'était le cas de R. Kelly. R. Kelly, c'était une histoire montée de toutes pièces. Il n'a rien enregistré. Ah ouais? Ouais. Depuis son incarcération, il n'a rien enregistré. Ah bon? Ouais. Ah, mais il faut faire très attention sur Internet. Hein. Okay. Quelqu'un te rédige un article avec un très bon français soutenu, mais il dit des faussetés. En parlant d'articles, je viens de lire mon annonce. D'habitude, je n'ai pas tendance à questionner mes invités en ce qui concerne mes annonces. Mais pourquoi je le fais aujourd'hui? Parce que je vais expliquer, tout comme je vais expliquer à tout le monde. Déjà, quand je fais les annonces, c'est souvent les annonces politiques. Okay. Je ne peux pas aborder ces sujets-là parce que c'est une émission culturelle à caractère musical, voilà. Du coup, l'annonce est juste pour informer les gens qui n'ont pas eu peut-être le temps de suivre les émissions politiques et tout. Mais là, c'était une annonce qui a un trait avec cette émission. Du coup, Thierry Mombaya, tu as suivi l'annonce? Très bien. Qu'est-ce que tu en dis? Après, ça aussi, c'était en 2018, hein? Donc, 2019, donc 4 ans passés. À l'heure où nous sommes en train de parler, les artistes, musiciens et l'équipe qui accompagne Fally Ipupa sont bien arrivés, je crois, en Ouganda. Ah. Donc, voyons voir les résultats. C'est Ouganda, Kenya, Ouganda. Mm. L'histoire s'est passée où? Au Kenya, n'est-ce pas? Donc, attendons voir ce que ça va donner. Non, mais il s'est dit que normalement il ne doit pas rester en Ouganda avec signer d'autres contrats avec d'autres personnes que le client de ces avocats-là. Justement, voilà pourquoi les Congolais même s'est fâché sur le dossier CI et autres. Non, mais pourquoi il a demandé des semaines alors qu'il prétendait avoir déjà toutes les preuves réunies? Mais pourquoi à nouveau on a encore accordé 10 jours? Pourquoi, pourquoi? En fait, l'appareil juridique a un fonctionnement des fois qui nous dépasse. C'est très compliqué pour maîtriser la matière juridique. C'est vraiment, alors vraiment compliqué. Ce qui fait que, quand quelque chose a trait avec la justice, il faut veiller sur les moindres détails, même les détails négligeables. Il faut veiller sur ça. Quand vous signez un contrat, surtout un contrat d'exclusivité, c'est-à-dire, avant ma prestation, tu n'as aucun droit de te produire pour le compte des tierces, d'une autre personne, disons ça comme ça. Mais dans les contrats, il y a la part qui sécurise l'artiste et l'autre part qui sécurise les producteurs. Les producteurs et ses avocats nous ont révélé les alinéas qui décrit les contrats par rapport à leurs intérêts. Mais est-ce que les camps Fally a déjà révélé? C'est ça. Ça aussi. Ah, ça. C'est là où les bas blessent. Ah oh, non, j'adore. Donc... Voyons voir ce que ça va donner. On a connu une histoire similaire ici. Le gars a quitté même Angola pour venir à Kinshasa en lieu et place de saisir la justice. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il est passé dans nos médias chez Papa Molière et autres. Voilà, l'artiste Fally a fui avec mon argent. On a signé un contrat de prestation en Angola. Il n'est pas venu, il n'a pas honoré le contrat. Et puis, il est tranquille. Le camp Fally Ipupa nous a montré le contrat. Le contrat stipulait ceci. Dès que je fous les sols angolais. Donc, dès que mes pieds fouleront les sols angolais, les contrats est bandit qu'au compté. Alors, j'arrive, dans un contrat, on réserve toujours ma zone neutre. La zone neutre sert à quoi, en fait? La zone neutre te permet, par exemple, incidence Maurice Salami. L'incidence, ça ne se souhaite pas. L'artiste arrive, mais il tombe malade. Il ne peut pas jouer tout en étant malade. Donc, la zone neutre va sécuriser l'artiste. Disons que, bon, on peut décaler la date ou trouver carrément une autre possibilité jusqu'à ce que Contrées à l'honorer. Zone neutre va sécuriser le producteur. Dans quel sens? Vous arrivez, Bolobiso Tokomi, et que Tokomi, tout doit être là, Biso Tobeti. Dès que vous ne respectez pas, Biso Tobeti, le contrat est consommé. Mais Bokomi, vous voyez, érosion Mori Salami. Pluie torrentielle, plélo, tsunami, et tout ce qui va avec, tremblement de terre, tourbillon. Ce qui est le rabon et salami, ça sécurise les producteurs, bien que beaucoup maquis, mais il faut trouver une autre date.
Alors là, comme les avocats et les plaignants nous a clairement montré, bah plainte naïe, bah parole les contrôles sécurisés, attendons voir ce que ça va donner. À l'instant, ils sont déjà en Ouganda. Ok. Donc, ils ont des prestations là-bas. Ce qui m'ébahit au fait, c'est de voir que certains médias congolais, le média en ligne, qui sont en train de riposter le truc du genre l'artiste Fally Ipupa est escroqué, Fally Ipupa a fait ceci, Fally Ipupa a fait. Je me demande, mais c'est quoi cette haine envers votre frère? Après, en partie, c'est vrai, on va dire que c'est une haine, mais nous, de la vieille école, on ne peut pas si facilement dire ça comme ça ou appeler ça comme ça. Tu sais pourquoi? À l'époque, quand on quittait, peut-être limité pour rentrer à la maison, quand on quittait l'école pour rentrer à la maison, quand nos parents nous ramenaient à la maison, tu tombes sur un titre. Le président Mobutu a fait ceci, Mouzé Laurent Kabila a fait cela. Page 72. Ok, page. On aurait appris, bah conditionner les bandits. Voilà. On aurait appris. Bah, tu as un titre flash, juste pour attirer ton attention. Ton attention, mais ce n'est pas. En réalité, au coup, tu vas conditionner les bandits. À ce qui paraît. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les médias en ligne a hérité, a juste hérité les systèmes. Non, bah, zuga, bah, titre, bah, zuga, bah. Donc, ton bah, Fally Ipupa a escroqué en Ouganda. Tout le monde va lire. Selon l'histoire, on aurait appris que les producteurs avaient remis une somme de tac-tac à l'artiste Fally Ipupa pour les conseils. Mais selon nos sources indirectes, déjà, par contre, on a une condition. Ok, attention, mais tu prends le temps de lire les contenus. Donc, c'est systématique, c'est vraiment un système bien établi par nos aïeux de la presse écrite. Okay. Ils ont impacté avec ce système. Voilà pourquoi nos amis de la presse en ligne ont également hérité. Ah, d'accord, je vois. Alors, il s'est soulevé presque un mois une histoire de cette histoire de kidnapping qu'on a, on a tous vécu et tout. Il y a eu des vidéos même d'où on nous a cité le nom de quelques autorités, ainsi de suite. On en a parlé ici plusieurs fois. Mais après, j'ai continué à observer la suite. Jusque-là, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai rien vu. Hein. De ton côté, il y a quelque chose, il y a un changement, ouverture de procès, il y a tout ça. Là. Après, il faut comprendre quelque chose. La justice ne juge pas selon les intentions. Ok. La justice ne se saisit pas même des dossiers selon les appréciations, mais selon les droits. Tout est dans les droits. Donc si les propos de notre ami, je ne sais pas moi comment on l'appelait, Kaba Kaba, Bazarami Balé, Big Boy, je ne sais pas si c'était Kaba Kaba ou Big Boy. Ouais, ça la live TikTok, c'était Big Boy. Alors, si les propos de Big Boy, ils ont aussi figuré dans les droits congolais par rapport à ma propos de Tenaki. Donc, naturellement, on ne doit pas s'attendre à un procès, à l'ouverture d'un procès. Mais seulement, ce que les gens ne doivent pas oublier, nous sommes dans un pays structuré. Il y a certains services qu'on appelle, par exemple, services spéciaux, les agences de renseignement congolais, ANER, tous ces services travailleront de manière très silencieuse. Vous n'allez même pas constater qu'il y a des enquêtes. Okay. Et puis, trop souvent, les gens constatent que oh, bakangi mutuna ANER. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qu'est-ce qu'il a fait? Enquête Zora, Malé Malembe. Aujourd'hui, les noms ont été cités au vu et au su de tout le monde. Et les personnes précitées ou citées dans cette histoire, ce sont nos généraux, nos capitaines, nos majors, nos politiciens. Ouais. Nous cohabitons avec eux dans ces pays. Donc, naturellement, on espère qu'un jour, peut-être ces services appropriés vont prendre suffisamment le temps d'enquêter sur ça et nous donner les bons résultats. Après, moi, ma plus grande crainte dans ce genre d'histoire, il y aura toujours la politisation. Tout secteur congolais, on a tendance à avoir une certaine politisation. Intéressant. Comment? C'est pas intéressant. Quand est-ce qu'on a arrêté les pro-Kabila au Bandeira, ça, à Babavure et autres? C'est quand Kabila est parti. Ah, ça. Donc, on sous-entend que pendant qu'il commettait légalement et officiellement les bavures à l'époque de Kabila, aucune justice était capable d'enquêter et les arrêter. C'est venu seulement au moment où le président Fatih a pris le pouvoir. Donc, on espère aussi, un jour, quand le président Fatih
va partir et que le système tombe, il y aura une justice appropriée pour les noms peut-être cités. Si seulement bah, on a un peu prudent, bah, on a exil avant, dès qu'il est dans la politique africaine. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Thierry. Le propos du ministre honoraire Justin Bitakwira lors de son passage à l'émission Boussolona Politique chez Israël Mutombo, Thierry Mambaya. Avec le Rwanda et fermer les frontières. Donc pour le moment, guerre au Tosana, c'est une guerre amicale. Parce que nous sommes en relation diplomatique avec le Rwanda. Omoni Ndengeba somalien, comment les terroristes somaliens là, ils ont commencé à venir tuer au Kenya. Le Kenya a fermé ses frontières. Mais nous, comme c'est une guerre amicale, on n'a pas fermé nos frontières et nous n'avons pas coupé les relations diplomatiques. Comment tu as trouvé? Après, moi, je pense que tout le monde étant congolais a le droit d'avoir un, ou de porter un regard soutenu en ce qui concerne nos frères de l'Est du pays. Qu'on a souci dans Bango, se préoccuper pour eux, faire une prière pour eux. Dans le secteur, on a eu peut-être Mopandisango dénoncer certaines choses là-bas. Dans le domaine, on a eu peut-être tu es musicien, composer une mélodie, un chant pour eux. Je ne sais pas, moi, tu es pasteur ou homme homme de spiritualité, tu peux prier pour eux. C'est-à-dire, chacun de nous, là où il est, dans ce qu'il fait, il peut, a la possibilité d'apporter ne serait-ce un petit fragment de soutien à nos frères de l'Est. Maintenant, la vraie responsabilité revient à qui? Aux autorités. Alors, Bitakwira aujourd'hui, ça nous chante toutes les félicitations parce que Ferré s'est soucié de nos frères de l'Est, il a rendu un hommage là-bas. Ça, c'est bien. Mais lui, quand il était dans les systèmes, lui, quand il était ministre, il fut député, au moins que je me trompe. Après un parcours, le quoi yayé. Il était aussi, il fut aussi député. Mais toi, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je peux même sortez-moi la liste de tous les ministres. Qui était là, bon, bah, candidat député, bah, on a candidat sénateur, bah, député national, provincial. Exact. Bah, on a un profil là-bas. Période Mokoboué, un ministre honoraire, je ne sais pas, le nom va peut-être m'échapper, a proposé à ce que bah, revoir loi électorale pour faire bah, en sorte que ce soit un candidat député national aux provincial T. Sobimi déjà député national aux la candidat sénateur T. Parce que tu sais qu'est-ce qui est arrivé en 2018 à Rara. Et là, Moutoumsoua a mis sénateur, a mis député national, a mis député provincial. Si Pléan a eu le moi, si Pléan a mis le moi. Non. Sérieusement. Je vais prendre une famille comme ça. Tu es une famille comme ça. Tu es une famille comme ça. Papa n'est pas le moi, mais député national, député provincial. Provincial, a ta moi, a eu moi. National, il y a moi, Tikala. Junior, a eu national, provincial. National, a ta moi. La provinciale est moitié là. Dakoma, je crois, Kester ou quelque chose comme ça. C'est ça la politique en RDC. C'est ça la politique. Nous sommes poussés dans mon côté insuffisant. Martin Fayoulou a été candidat président, candidat député national, candidat député provincial. A raté la présidentielle, a demandé la députation nationale. Ça, c'est la politique chez nous. Maintenant, quand ils étaient là, les systèmes Kabila avec Bitakwira. Bah, Bitakwira, c'est un homme fort et un système Kabila. Ne prends pas ça comme ça. Quand nous sommes en train. Mais c'était parmi les hommes forts de l'époque Kabila, à une certaine époque. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de concret pour qu'aujourd'hui ils commencent à féliciter celui qui a fait sa part? Ah, à ça. Le mieux serait, maintenant, montre ça à la part. Tu sais, même, non de... Voilà. Oui, puis, et ça, le quoi, Ndako, tu as besoin de mots érosifs, de dini Ndako. Au moins, même moi, je suis un copo. Pendant que je suis dans la motopompe, je suis toujours dans le réflexe, je suis même saut. Je suis un copo. Chacun doit faire sa part. Moi, en tout cas, je me sens très mal. Après, bon, je ne sais pas la conscience et tout ce qui va avec. Mais si j'étais politique, moi, je me sentir très mal à l'aise quand je parle des artistes qui posent des actions. Alors qu'en réalité, c'est aux politiciens, c'est aux dirigeants de prendre les décisions. Parce que moi, j'ai besoin d'action, j'ai besoin de décision et m'a envie de changer. Juste. Tu sais, dans ces pays, même tout ce que nos amis, confrères de la presse politique font là,
Surtout ici, on trouve nos comptes, les artistes qui ont posé des actions palpables à l'est du pays, les actions qui bénéficient à Bandeirounabiso, Bazarakuna, na ba politiciens, ba posa ba action. Au moment que les politiciens quand ils posaient ces actions, il y a qu'avec des idées derrière la tête, soit faut postuler, soit faut aller pour renforcer base naïe. Mais il fallait qu'il vous donne des ambulances médicalisées, par exemple. Qu'est-ce qu'il attend des retours? Pour APSAP, c'était ce qui de la rente. À l'époque, de la rente, à l'époque, Banzemo Izaki, Boyo Kango Kaka. Lui, tout ce qu'il cherche, c'est la consommation de sa musique et sa notoriété. Mais les politiciens, ils ont appena donné Donande Tobengara. Ils posent une action en contrepartie. Sur qui là, Kinshasa, j'ai vu, monsieur, l'adjoint de Christian Boussembéa poster. Une note comme quoi il faudrait que les chaînes arrêtent de communiquer de manière il y a campagne électorale parce que période électorale là il y a campagne électorale là le comité et tout ça là c'est ça qu'ils ont organe d'appui pour la il y a comment on appelle ça pour la démocratie ils ont parmi bah organe d'appui à démocratie au Batsaka pour la période nette électorale pour la structuration à bas secteur ils pensent qu'on va s'occuper à la biseau média mais réfléchissons techniquement. So bimika awa tout ça na monfle na joli parc a batum so benga monfle ou batum so ma campagne prenez un laissez un so bibi place tout ça a au banomo na banzela tout fondation telle soutien tel voilà monsieur somona monsieur tel soutien le deuxième mandat du chef de l'État. Il faut s'atteler sur la forme ou les fonds. Il faut s'attarder sur la forme ou les fonds. S'il faut toucher au fond, donc moi je pense que le mieux serait de revoir purement le système. Voilà pourquoi moi je dis toujours aux Africains, nous devons avoir une politique adaptée aux Africains. Africains, ils ont un système à royauté, ils ont un système à 5 ans, à 4 ans, le président Soka à Koti, ils ont un royauté. Mais pourquoi vous avez dit que ce système à l'élection carrément basculé. Parce qu'on fait tout le besoin d'un système authentique qui a ba kala na biso. On fait la même chose, on élève le président, on fait des concerts pour le président. Et donc, c'est vraiment la royauté ça. Si, c'est ça. C'est là où ça m'écœure à un niveau, tu n'as pas l'idée. Voilà pourquoi moi j'ai souvent du mal à intégrer un projet, une vision politique. Parce que je me dis toujours, il y a quelque part où c'est louche, quelque part où c'est sombre, c'est obscur. On comprend, il y a tellement de zones d'ombre dans, dans les secteurs politiques que des fois ça écœure. Et voir un monsieur qui fut ministre, plusieurs fois député, il a dirigé dans ces pays. Et plus loin encore, M. Bitakoure est de quel coin de la République? Il est de l'Est. Mais lui-même, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme preuve d'amour envers Bakou? Oui, bah, il est là pour profiter. Dans une émission politique, tout le monde passe par là pour parler culture et musique. On ne comprend plus rien. Depuis un moment, en fait, surtout sur Internet, hein, quand on a quitté la télé en clair, on est venu sur Internet. Et Zalaki, ceux qui t'ont commis dans la période électorale, Bissot va tout en sa émission musicale, ton autre crise. Parce que. Les yeux de tout le monde, comment qui rivaient vers la politique. Mais bizarrement, cette année, depuis que tu as dit que tu as déposé ma candidature, depuis même que tu as enrôlement, dépôt de candidature, liste bimi, tout le monde parle musique. Les candidats députés commencent même à faire des débats politiques et des débats musicaux juste pour attirer l'attention sur eux. On ne comprend plus rien. La politique n'est plus alléchante ou comment? La politique n'intéresse plus personne ou comment. Mais il faudrait que l'on se pose des questions techniques. Pourquoi en pleine période électorale, les gens préfèrent parler musique? Donc, ça prouve que les Congolais ne suivent plus la politique. Promesse après promesse. Il est qui? Les mêmes systèmes. Voilà, en fait, à la fin. Profitons même de ton abandon. Okay. Tu sais, non, les gars, je sais pas si vous avez dit dans l'emba, rond-point là-bas. Hein, mais ils placent moi là-bas, rond-point, tout rond-point victoire. Bah, tu sais, pendant que tout le monde va commuer, on a Matembele à Simandako. Dans quel placement on va commuer, tout le monde va commuer, on a Yandako. Nabi, tout le monde, en pleine période électorale, on a Mouana Yandako. Tout le monde, oh, bah, quoi, bah, ok, ne batika kabiso. Yo, longo, moussou, soyez même discours. Tant que yo, longo, moussou, soyez même discours. Je te dis. Au final, hein, même si tu es là, ma parent est là, viens, je ne vais pas te taper. Oui, mais comment on a âge, mais comment viens, je ne vais pas te taper. Non, tu vas me taper. Tu vas me taper au Kimi. Mais comment les Congolais n'arrivent pas à comprendre que
C'est la routine, le même système qu'on a utilisé. Non, mais viens, je ne vais pas te taper. Ça va me penser à beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment bizarre. À un niveau où, c'est bien de dire ça. Mais est-ce que toutes les fois où les artistes ont eu à dénoncer la guerre qui sévit à perpétuité, apparemment à l'est de notre pays, quel a été le discours de Bitakwira alors qu'il était dans, aux affaires? À l'époque, Kofi a tenu des discours hein, contre ça. Fally à l'époque. Il y a plusieurs artistes, Loko Akanda, Youssoufa. C'était quoi son discours? Tu vois, quand on devient opposant, apparemment, on commence à trouver des excuses partout. Toutes les occasions sont bonnes, on saute sur ça pour parler de la guerre à l'Est. Après, moi, à un moment donné, je sais que la guerre est purement politique, mais moi, j'ai plein mes frères de l'Est. Comment? Moi, vraiment, à un moment, après, bon, qu'on se le dise, ils ont référence moi à Mala Moutina Inazwa, mais prenons ça d'abord. Les ras-le-bol des Quinois avec ou sans armes, Tobingana Barwande. En 80, je crois qu'en 97 ou 18, Mouzé est venu en 97, puis après, Barwande, Baniba, si je tire, on a Kinshasa. Je ne sais pas si vous avez déjà ou pas. Tobingana Barwande, on a beaucoup. Donc, c'est aussi possible aujourd'hui, ne serait-ce, on a vu sur la table, la possibilité de bundater, parce que la guerre, ils ont un bamando qui banane tout ça là. Mais ils peuvent commencer à dénoncer certaines personnes, à t'en arrêter le bol. Si vous dénoncez, peut-être que vous avez depuis que vous dénoncez, qu'est-ce qu'il faut faire au final? Dénoncer. Il faut dénoncer. Donc moi, j'aimerais encore voir un autre profil, une autre personne qui parle de ça, pas Bitakwira, pas un politique. Pas un politique. En tout cas, merci beaucoup Thierry Mbaya. Je t'en prie. Nous allons passer. On a vu les images de Fally Ipupa au défilé Christian Dior, collection femmes prêtes à porter. Aigle, mais partout, partout. C'est comment? Je réitère ce que j'ai dit souvent en ce qui concerne l'image que chacun de nous doit porter et entretenir. Il y a une très grande différence entre porter une image et l'entretenir. Après, posons-nous cette question. Chaque fois qu'on invite une célébrité quelque part, défilé des modes, soirée VIP, rencontre haut des marques et consorts, c'est seulement parce que X est musicien, Y est, je sais pas moi, acteur de du cinéma, ou c'est parce qu'il a une très bonne image qui peut vendre? Je dirais parce qu'il a une très bonne image. Observe même la milieu à football. C'est d'ailleurs là où ça se passe bien, ce genre de choses. Un joueur, moi, va louer tel pays, tel pays. Tout à louer tel club, tel club. Au moins, il y a tout le meilleur club. Il y a un fake, il y a un vrai. Mais là, il y a un. Ces derniers, on joue contre un bon, mais peut-être pas on joue contre un marque. Parce qu'au-delà de tout, il a une bonne image. J'ai connu plusieurs fois des problèmes ici, Yosa témoin. C'était trop souvent quand dans l'émission Tonosano, quand j'ai reproché à nos légendes le fait de ne pas avoir su comment entretenir leurs images. Dans notre pays, par exemple, il n'y a pas de monde qui n'a jamais peine perdue. Dans notre pays, les légendes sont les gens qui ont la musique, dans la politique, dans le football, dans la légende, dans la légende. Mais observez ce qu'on de manière générale, parce qu'au départ j'ai parlé, j'en parlais, mais c'était beaucoup plus pour les artistes musiciens. Mais aujourd'hui je vais m'ouvrir un peu. On parle de Fally Ipupa, dans la soirée où on est à Dior. Mais on a qui dans de manière générale? Ndaïmou Lamba. Il a quelle image? Ne serait-ce même en termes de hommage, il a quelle image? Au Congo et à l'international. Meilleur buteur. Mais qu'est-ce que vous avez Maradona. Au moins, l'image que d'abord, est collée. Au-delà du fait qu'il y a un balle à salaire, il à Tiki. Mais il y a une image. Bisso Awa, Gillette Nelson, à l'époque, Manda Mukadi, boxeur. Aujourd'hui, il a quelle image? Azaki m'a obligé de faire la politique. Mais Mike Tyson, vu d'un collier, mais il a quelle image?
Ça dit soit c'est pointé quelque part, même Babloko ils ont marqué bazo organisé par contre une invitation n'est pas courant parce que Babiki ça fait plusieurs années qu'il a arrêté avec la boxe, mais il a encore une image. Au soir quelque part, tout le monde veut être là, tout le monde veut s'afficher, naïe, tout le monde veut faire une photo, naïe. C'est les problèmes congolais au fait. Les problèmes est congolais. Nelson Mandela avec quelle image après plusieurs années à parcours politique. Emprisonnement, apartheid, azui présidence, tout ça là. Même pour Moïse Kabila, na feu nani président Mobutu, baron d'ailleurs Bakoufa, pour Bakouta na basolo là. Ils avaient qui? Mutasa sala médiation. Ils avaient Kayoana, Nelson Mandela. Mais c'est un politique. Kofi Annan, c'était un politique au départ. Ensuite, a commis même secrétaire à l'ONU. Mais pas un biso politique ni tout ça n'est ah autour de tout bien un politicien ni tout ça n'est autour de on se dit ce politicien c'est vraiment une légende quand il se pointe quelque part à part Joseph Kabila toi nanan lui aussi c'est parce qu'il a un silence légendaire le jour où on le bateau démystifié c'est ça mais après tout le monde lit Joseph Kabila comme président tout va dire pendant que tu es qui tout ça là bas sénateur Morobo et des marques ou tout ça bas combo na bango tout yebi est-ce que les gens savent que Patrice Emery Lumumba était un premier ministre non un président. Mais il a su imposer son nom. Il avait quel âge à l'époque? Vingtaine d'âge. Vingtaine d'âge, tant que Lumumba imposa Kombone. Okay. Les problèmes congolais. Alors, maintenant, puisque nous avons hérité de ce système-là pourri, et ça dit que, bah, musicien, Oyoto, bah, Congolais, bah, s'est démarqué, bah, ça a imposé dans Maramomi Balé, soit s'identifier pas trop comme Congolais, pour réussir qu'au. Sortir de l'ordinaire, quoi. Sortir de ces systèmes. Mais comme Fally, jusqu'à preuve du contraire, il s'identifie comme Congolais. C'est-à-dire, quand je dis s'identifier, c'est pas. C'est parce qu'il n'y a pas dit que non, je suis Congolais, non. Mais la manière dont tu t'identifies, c'est-à-dire, tu colles ton image, il est Congolais. Na sens wana. Alors, ils ont ça là, que chaque fois, tout le monde a wana au départ, c'était quoi? Bah, place à moi, qu'il n'a rien, moko, bah, invitation, tout le monde a été. Cette fois-là, les invitations ont circulé, hein? Même le monde, on a toi là. Qui est invitation, comme on a signé le Conan. C'est parce qu'il a quelque chose à donner au-delà de sa musique. On continue toujours de raconter que non, Matalana et tout. Justement, ça c'est les problèmes congolais. Alors, on a responsable bizarre parce que la foule n'a pas d'âme. La foule n'a pas d'âme. La foule ne réfléchit pas. C'est les leaders d'opinion qui réfléchissent et imposent les systèmes à la foule. Ok. Il y a moi là. Il y a un leader d'opinion ça n'a pas interdit Moussoussou. Oh, ba citoyen lambda ba na ngote. Tu au moni au sali ba action mo boy, ba ko le kisango. Mais ce leader d'opinion moi sali ba bengango dépravation des mœurs. Parce que toi tu es un leader d'opinion. Normalement tant yo sala ba to lando. Non, aux autres dépravés, ba mœurs na biso. Le problème c'est quoi au fait? Artiste congolais nini otobi attend la génération 5 ya ba fali o. Oh déjà assez des merdes d'arabe ça va fanatique né que non artiste faut ça la image à bien artiste faut aller bah entretenir l'image naï bah on s'arrête artiste faut aller ma danger la voix ngamna on a fait rabeti rabeti stade à Silici bah tu hérites bah les qui ne mission pour nous bah non hérites tout charabati en ce moment même faire à Kokate des bezawa et à quand la voix alors que sous d'autres cieux aux yeux mutogwa Jacob de Varieux qui n'avait pas la voix aussi merveilleuse n'est pas congolais baloukaka. Mais il a fait la pluie et les beaux temps. Il y a Zouk Machine. Baza parmi les légendes de Zouk, il a détrôné Bangoti. Il est parti, maintenant succès nyoso. Akoufa, mais Lelo Kassav dans Joseline Berroir, Babeta a concert, ti Lelo et ça l'a succès. C'est savoir une image. Qu'est-ce que nous avons fait de l'image de Papa Wemba? Après son départ. Piétiner. Aujourd'hui, nous piétinons son image. Parce que nous sommes dans un pays où les gens ne savent pas comment entretenir l'image pour pérenniser. Même tant que tu as piétiné, tu as dit tout ça, tu as sous-entendu, tu as dit qu'il a battu l'église pour Marcelo, à l'Obama Mbouana. Même si tu ne traversais pas Nabango, qu'est-ce que nous faisons de l'image de Aïdin à Bala? Père et église de réveil, Moutamema réveil Nambouro, qu'est-ce que nous faisons de son image? Qu'est-ce que nous faisons de l'image de Jean-Albert Maloula, premier cardinal Yamboukao? Tout ça, là, on a l'image de Yabatoana Nin.
Père Boka, oh comment, ni l'hymne national, tout ça. Imaginez tout ça là, non. Un pays où les gens ne savent même pas entretenir leurs images. Conséquence, Nango, aujourd'hui, Jean-Claude Van Damme, c'est ambassadeur culturel, détenteur d'un passeport congolais. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ne serait-ce parce que Jean-Claude Van Damme est un Belge. Il parle. Même pour vendre l'image, il y a pays haute, il y a francophonie, où il y a Salam. As-tu vu les images, il y a acteur, je crois il est ghanéen ou nigérien, à un film à Wakanda. Tant à combien ambassadeur qui tu es dans Rwanda, il est descendu au Rwanda, il a fait ma image, ma kangé, ma photo, ma poster na visite Rwanda. Donc il arrive à jouer à Rwanda, mais comme ambassadeur culturel, ma PCE passeport diplomatique, il commence directement le travail. Parce que dans notre pays, ce qui est alléchant, ils a comme député, comme la société, l'État, il bambongo détourné l'immo la circulation. Il y a combien de secteurs, le ministère de l'agriculture, le ministère de la pêche et élevage, le ministère de la culture, il y a un ministère qui n'a jamais parti politique. Nous, membres de la coalition X, nous réclamons le ministère de la culture. Jamais. Nous réclamons le ministère des finances, budget, ministère de l'intérieur. Pourquoi est-ce que ça là-bas, rébellion? C'est-à-dire, mon cannabis, on a donné sens, importance à ma blog, tu négliges le ressource. Alors que le monde actuel fonctionne différemment dans des pays. Moi, je fais Kenya. D'ailleurs, malheureusement, pour même pour un moment, il va falloir brusquement. Sinon, on a bêté bon tout le monde à Kenya. Moi, je fais Kenya. Au comme dans Kenya, au Tamboul, dans Mombasa, au Tamboul, dans Nairobi, au Tchad, dans Opolele. Ah, mais ces gens ont construit, hein. Bah, même les banines, tout ça là. Donc, tout le monde se trouve. Bah, on va combien d'avions? Tabac, avion belé. Kenya Airways et qui n'a pas payé presque tout le monde. Mais richesse n'a pas monné. Si autre Melaka, le tourisme. Binonde bo manzo na badiama or cobalt manganèse zinc sourine ba ba na ngote bazuka ti baza ba parmi ba exportateur mondial la ti l'été autre mélara thé vert thé rouge thé noir ba na et puis tourisme ba investir dans tourisme ba la ba espèce rare na moka na ba tout ça là ba mettre en valeur. Tu arrives à l'aéroport na bango ba la direction tourisme ya ngwana parce que bango za royer ou yo so mino ka bioyé so commis sur place au foot mbonga visa lingozwa ba tire le visa na aéroport na nombre de jours à séjour au salon de yolingi o ya ya 1 mois ba pêche 1 mois o ya 2 mois ba pêche 2 mois maintenant tant aussi sika kozwa ba pêche fiche mbonga na remplir pour na tourisme na ka tonne pêche de ba site touristique ko visiter yo mo déjà ba c'est dit ba tant o yemba mbonga orienter vers le tourisme. Mais dans le roi Ebiso, qu'est-ce que nous faisons du tourisme? Tout ça, les autres, c'est une image. Alors, quand un artiste est congolais, se pointe dans le bloc de Dior, il exporte l'image à Congo. Parce que dans la présentation, un artiste est français, un artiste est congolais, un artiste est tanzanien, ils ont la bon. Ah, ça parle du Congo. Ah, le Congo de Fali Poupa. Ah, ben, c'est lui Fali Poupa. Ah, le Congo Kinshasa, ça bouge à temple. Observe aujourd'hui comment les Ivoiriens ont réussi à imposer Abidjan et Mito Abatou. Remonte 20 ans, 15 ans, c'était pas pareil, c'était pas comme ça. Ils ont utilisé quoi? Bah image et artiste na bango. Capital Zaya Moussoukro, point ba beta sur na monté. Ils ont créé capital na bango mokoboué culturel parce qu'en réalité, il y a capital économique, bah comme ils sont au capital culturel. Concentration, la forte concentration ya batou tout. Oh mon ami ba makoso, bah za na Abidjan. Bah artiste na bango bah za na Abidjan. Bah ça les belo batongakuna ils en Abidjan chaque fin de l'année Fali Charlotte Dipanda Dadju Gims tous ces artistes bah kenda kuna robeta tu penses à la bailleur des fonds c'est l'État qui organise tout ça bah quand tu retournes bah ça la miner négona bah tu crées bon moro abécature là pour bah préparer coupe du monde bah ça les planning na bango bah tel n'afrique francophone Fali est consommé bah qu'est-ce que concert qu'on a ouais le stade et après bon on attend une coupe d'afrique et banda bah match monsieur bétam na kature là. Tout est bien orchestré, tout est bien calculé. Chose que nous ne faisons jamais. Nous ne faisons pas ici. Voilà pourquoi quand un Congolais sort de l'ordinaire, atteint un certain niveau, il faut pas trop dire, ah, on est arabe, on est l'Olande. On ne comprend pas que c'est le système mondial. Gims le fait. Bah, nous, surtout, on est Congolais, on est Dadju, on est Salam. Non, en fait, tous les autres sont invités à Bango. Il fallait une été. Bah, on est les showbiz. Showbiz est Kenda Bongo. Donc, en somme, moi, je pense que c'est le mal congolais, c'est le problème congolais qui, à un certain niveau, ça atteint le niveau de l'imbécilité collective. Voilà. Très notoire. Merci beaucoup, Thierry Mombaya. Je t'en prie. Alors, Inos B, pour le concert du 1er décembre à Bruxelles, la billetterie était ouverte depuis 19 septembre.
Mais jusque-là, on ne voit pas des billets vendus. Est-ce qu'il a déjà vendu? Nada. Pour voir un billet vendu, il faut vendre. C'est comme quelqu'un qui me dit, mais on ne voit pas ta tablette. Mais il faut en avoir d'abord pour voir par la suite. Est-ce que j'ai une tablette ici? Est-ce que j'en ai d'abord? Non. Donc? Pas moyen de vendre. C'est plus que clair. Seulement, moi, je pense que Inosubi ne fait pas la promo. Comment? On voit beaucoup plus les photos de Inosubi. Tantôt, Bakaboy Narebo, tantôt Bazongani. Alors que ce que tu as les publications, les photos, c'est même un lien billetterie. Il faut faire très attention avec la communication. La communication peut désorienter les gens au lieu d'orienter. Il faut faire très attention. La communication, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est beaucoup plus congolais. Tu vois quelqu'un qui, à côté de ça, a fait l'entreprise, par exemple. Donc, on a un budget d'entreprise logistique, en tout cas, structuration, bureau, tout ça là. Écoutez, Bissot, $50,000. Produit, bah produire et bini. Allez contacter Bino. Ah, Bino, c'est un cher, bo besoin de $100 pour sa communication. Erreur grave. Mais mon délai, c'est comme la place où il y a dépensé à Ming. Ils ont un marketing. Parce que c'est la promotion qui va vendre mon produit. C'est le problème congolais. Congolais, déjà, il y a des défauts. Il faut tout apprendre à reconnaître les défauts. Congolais, il y a atteint autant à Ming Ming. Oui, hein. So déjà moni loro ici pelicier. Ya tal ka ici li. Ça dit boté ba photo o yo simbire boboué. Allez li kolo bo komi boté dans lien. Kongola otanga honte. Ya ya kutu rapide a cliquer a copier des photos ana. Allez ya ke ko repartager ngou pana. Ka photo. De ka yo posale na page non. Est-ce que vous avez soin de copier le lien bien trio ça? Ah, la lien combien? Ah, pour prendre la photo au singe koliaté. Mais pour partager le lien de la billetterie au singe kolia. La communiquer qui va se donc, moi je pense que lui-même il est en train de désorienter la com par rapport à Bamarambosa là. Exactement. Alors que c'est une très grave erreur. Il pouvait bien profiter même de l'actualité de Bamarambosa pour orienter. Hein. Imaginez si Rebo sortait, c'est sorti médiatique Mobwe. Hein? Sorti médiatique Mobwe. Pour bah, comment moi, ma casse, moi, c'est un bel challenge na TikTok et tout. Qui est na boue, na besoin de 5000 personnes. Bah quand en live, non, bah vérité m'envoyer les canaux. Ce n'est qu'une idée comme ça. Alors quand les TikTok comme les a mouvementé, bah tu vas côtier, tapoter, c'est bon, ok. Alors tout ça, notre challenge, moi quoi, bah toi sur maintenant nous 100 billets quand c'est comme c'était le cas avec le live de Peignel. On a cru qu'elle allait dire des choses. Bon, sont 100 billets. Pas ça le quoi signal réseau mobile, quatre non. À quatre connexions. Et ça la main. Tout ça là, après ça, les postes, mon visuellement posté. Nous avons connu une panne technique. Rendez-vous demain, on va vraiment casser les papes. À ramener Bangon Soussou. À l'hôpital, qui s'est dit non, tu as vérifié, il y a 50 personnes, 50 autres personnes, déjà il y a 100 kuna. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas vendu. Maintenant, toi, tu veux voir les billets vendus. C'est comme vouloir la chose et son contraire. Et son contraire. Ils doivent revoir les côtés communicationnels là-bas. Ils n'ont plus été un très bon communicateur au départ. Un très bon communicateur. Tu sais comment est-ce qu'ils n'ont plus fait pour que tout va messana na komona inosbi? Parce que les Congolais l'appelaient à l'époque na komona innocent balou. Innocent balou. Il a communiqué sur ça. Inosbi bani na je crois na cha cha. Il est reparti à Goma tourner un clip à Goma. À refaire Bino Image na mutu avec une autre appellation. C'était stratégique. Mais qu'est-ce qui ne marche pas actuellement? Des fois, on se demande, ni ne comment l'année qu'on a vu ça. Peut-être à cause de, depuis sa sortie médiatique qui a fait tellement parler, qui a mis. Quoi, l'histoire de l'Est et tout? Oui. Non, pas du tout. C'est vrai. C'est vrai. Après, moi, je ne minimise rien. En matière de communication, parce que l'impact de la communication, les locaux là, à bêtise, finalement, on mire quoi. Bon, comment moi, on a quoi, c'est mûr. Mais peut-être, Mirwana, ils ont impact, ils ont un choc et bêlé. Donc, ils ont subi le fait de dire quelque chose, même, il y a un calcul, il y a des bébés qui concernent Goma. Oui. Mais quand Gaze est parti, il s'est produit. Impact, ils ont là. Mais moi, mon vrai problème, c'est quoi?
Il est de quelle génération? Alors, chaque génération, il a acquis de la génération. Et comme ça, on le voit prérequis. C'est-à-dire, Moutoupo a ça là. Autant que vous prenez. Non, l'un de la mambolo. Au Bangsinga, en fait. Au Moni. Donc, je pense que les vrais problèmes se posent à un niveau à comment est-ce que Bango va gérer la stratégie de la communication. Et l'artiste, on doit, comme je disais tantôt, on doit reconnaître en lui cette force-là et on crée le contenu. Aza parmi Batoyo a réussi à créer un contenu belé même na orientation autant même ba clip na ba clip na za qui soit ça les clips mobwe il s'est créé des contenus oyo faut autant que bimez à les gens s'accrochent directement ils commencent à suivre. C'est vrai que aza parmi Batoyo to betolo ba na musique a utilisé ba message subliminaux mingité on s'est dit il touche au tact ya babilo quoi qui sont na simbia wa communauté réagir bwe. Alors ce qui me fait un peu mal les alli en termes il y a poto au moins qu'il y a des nanas à sous-informer ben les ressources bah ouais bah retirer la bise on a commentaire les ça sera le plus grand concert de sa carrière c'est pas dire les concert à Muneno à Obeta peut-être les bandes à pays à Congo les gros awana déjà il y a les bossus à la ca festival il y a Starboy Fest awana ils ont un festival au pays ils ont festival t'es non ils ont concert à rien. Oui, apparemment, ils ont... après, bon, c'est un festival, mais c'est son jour. Après, je ne sais pas si c'est un concert ou tout ça. Là. Mais je crois que même festival peut être bien Kamara. Il peut être bien pour bien que festival, c'est vrai, il y a Starboy, les Nigériens. Ah, comment est-ce que c'est ça? Il y a Tiwa Savage. Tiwa Savage, le gars là, Wizkid. Wizkid. Parce que France, il y a aussi sur invitation, il y a Wizkid. Mais après, faire un concert en France, au moins, il y a une communauté. Je ne pense pas qu'il y ait un whisky dans son dernier. Il y a certainement pour qu'il y ait innocent, mais c'est un Congolais. Moi, je suis un Congolais. Ça te pousse à la place. Moi, je suis un bino, parce que l'un de vous est là. C'était aussi pour un concert au drapeau Congolais. Il y a un répondre à Lingala. Il y a un biso, bazalaki. Dans une communauté où les musiciens s'entre-déchirent, normalement, la polémique et cette attitude là doit être profitable hein, aux musiciens. Donc, bato yé à ça l'arna bango polémique. Bato yé yoka na bangote. Mboka o na lobara, technique na biso ezali, il faut avoir un très gros succès, soit il faut se retrouver dans une polémique na bato yo, bako yé ko pousser bato mso ba soutenir. C'est-à-dire na linga audience té. Da côté en polémique na yo. Et bato bazara incapacité à recouter directement la polémique pour soutenir. Ah ouais. Mais pourquoi même ba fanatique à bato ils nous pas en bango bien. Pourquoi ba fanatique à venir faire ba fanatique à venir mopao ba fanatique à bato en tout atabiller mon côté au tout monde sur qu'il est. Ça c'est un. Mais pour boucler les tout. Même en baba billet, les lieux comme on a artiste a annoncé concert, ba fanatique ne va commencer à challenge à ba billet. On peut tout poster bien, c'est vrai, bon adresse mail, bon adresse nandako, bon pays d'identité, bon adresse. Non, et ça, à part, bah, fan a fallu, na mon appel, bah, concert, mon sous-soutant, bah, annonçant, bah, tu vas annoncer, déjà, challenge, je suis bébé là, qui ça. Bah, désolé, mais moi, je ne veux que pour fallu. Malheureusement, yo, mon akiwana. Après, bon, même s'il faut prendre les cas fallu, je pense que les lots, il y a la musique, les aînés ont inspiré, bah, tout, bah, après. Même fallu a été inspiré par les aînés, alors, bah, on est mission, mon alandabi. On a eu un challenge à la Stade des Martyrs, à Bercy, à Zénith, à Olympia. Il fallait que tout le monde. Après, on a eu un challenge. Dans le français, on n'invente pas la roue. La roue existe déjà. Il est venu, il a trouvé que le système en Europe, c'est il faudrait booster pour que les gens achètent les billets. C'est-à-dire créer des contenus, pousser les gens à acheter. Mais, ce qui a besoin de Simba Mwindo, na Simbi. Il faut trouver support. Mais la finalité, c'est quoi? Je suis juste support. Je suis simbi sans qu'il y ait de support. Bon, simbi. Ouais. C'est le, il y a des moments où c'est les résultats qui comptent. Il faut demander des talents, c'est quoi? Pour mettre bien. Donc, ceux qui les ont, ont une base très solide. Il y a des fanatiques qui ont balancé, billetterie, qui ont dit qu'on s'est précipité. Au moins, il y a une longue attente et salami. Mais toi aussi, les staff sert à quoi au fait autour d'un artiste? Place n'est pas chuté en voilà. Les staff sert à booster l'artiste.
les managers vont se démerder est-ce que bah contrer kotaka bah maman bébé bébé bah secrétaire faut bah rédiger bah maman bien marketeur il faut créer bah contenu. On a vu une fois le vieux inviter les TikTokers chez lui pour bah faire les promotions. Il y a pas une honte là-dessus. Et sa stratégie bah, en fait bah il y a mythologie bah créer bah faire bah tout chemin mène à Rome. Na moto ayé azan ki na ke ba Congo à partir ba Congo côté Angola Angola à Matisse qui wa puis ti souka so de ces choses ayé ma Paris à Rome Paris. Na moto ki na aéroport en Djili ou pesi passeport ba bété le tempo de sortie au Matisse qui tikuna tout chemin mène à Rome. Peu importe ce qui a le la voie raccourcie aujourd'hui détour le plus important ou utiliser ba moyen de bord ou comme en place ngokoma. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi nous nazo ba qu'est-ce qui n'a pas marché parce qu'on n'a pas connu notre frère comme ça. À un moment donné, quand je dis souvent on ne place pas la charrue devant le bœuf, c'est simplement que l'artiste a placé polémique de la musique. C'est-à-dire c'est d'abord la musique qui doit traîner la polémique derrière. C'est-à-dire la musique est libosso. Et puis polémique, il y a une musique qui est tracée. Polémique, il y a une épice. Moi, quand je suis là, je suis là, je Bolambini, ba web sote ke, tolambi ngombe batia, tomate, matungulu, a inde mbite, ba soka tolambi ngombe. Mais bloc en tout ça. Bloc en tout est ce que bloc en a mis le bel à donc, bateau bazar tout autour artiste. Ceux qui n'ont pas petit plainte au monde, ils mais faut moi d'aimer ça là, ma tungule ça là. Il y a un des sillages artistes. Exactement. Mais ce qui fait mal, c'est de voir les mêmes sillages. Ceux qui, bah, ma cambozali, bah, sillage, on est à corriger la marambaba tout ce soir. Donc, la polémique. Mais ceux qui ont embarqué, bah, contenu. Posons-nous la question. En dehors de Inosbi qui est un artiste qui est consommé par exemple. Mais ça, on a tout le monde a fait un petit concert dans le stade à plein de rendez-vous. On a posté poster souvent bon. Il fallait qu'on ait un tatouage et que mes parents irresponsables. Tout ça là. Et on a battu. Maintenant, on a un concert. Déjà, tant que nous avons un concert, nous avons un poste. Rien. Tant que nous avons un concert, nous avons un poste, même il y a un pic, même il y a un boosté. Parce que tu peux faire un pic, mais booster. Mais booster, ouais. Oui, puis période moré, ça a un pic dans le clip, il n'y a pas de booster en fort. Il n'y a pas de booster en clip, il n'y a pas de booster en 30 secondes. Oh, ça a un film en bas. Il y a un clip en épaule là. Ah ouais. Dans le commentaire. Rebo, na compte officiel, na ya comme na commentaire, clip en pour là. Bah tu vas capturer, bah commentaire en étant dans la page tout. Mais tout ce qu'on remonte que c'est Luca, attends la clip en moins en négé. Stratégie pour booster clip. Pendant que tu vois au talent par curiosité, tout est belo ni ça que clip. Rebo bien en pour là, mais surtout au tali, nombre de vieux matis, mais surtout au ébinzembo. Je crois que tu transmets moins en radio sur la bossante parce que c'est ma chanson préférée dans l'album. Il y a Inospi, adieu. Ok. Il y a un mawamo, un kati, un tournant, un maï, un fleur, un tout, tout ça. Avec voilà. La gomme. Stratégie. Soukale, je crois, soukale, soni. Ndeto vande a boué. Ndekoma, il nous a sali pique na mamba bietre. Batou tout baoke vérifie, batou msou baoul kabasomba. Ah, babé benande, on est en soukou baoué, babé benande na baonte. S'il faut faire une polémique, s'il faut faire des contenus, vous salez l'eau, moko, est profitable, ndeko na bino. Parce que moi, ça me fait mal tant que je que non. Billet à mon côté est circulé. Bon, en fait, je t'ai envoyé l'image, non? Debout, assise, ma place, on a tout. Et ça vide. Vide. Même papa, je m'en ai dit, mais ça, l'anniversaire, mon rabbi. J'ai fêté mon anniversaire, aucun cadeau. Aucun cadeau. Et puis, le président de la République, Ayoka, il soit à Tindé la Jeep. Il y a des soins, il y a des soins, il cadeau anniversaire. Voilà. Après, il y a mon neveu Félix, a pensé à moi. Même des tours de tigre, quand il y a des gens qui ont des aucun billet. Parce que le tigre, on a un peu de poteau, ton déni. On a un Congo, en Afrique, ton déni. Moi, je pense qu'après cette émission, je vais revoir le tigre de Silica. Je vais te prouver mon bail, tout ce qui est billet. Je ne vais pas prouver. Parce qu'il y a un exemple typique. Je salue comme ça vieux boule, Roland. Simple mec qui a mon analyse depuis les États-Unis. Concert à Falaisa, il y a la défense, la France. La France oui. Vieux boule à Vandawap, les États-Unis. Je vais à Vandawap, à Kinshasa. Même si tu as un billet à concert. Ok. À ça. Donc, je ne vais pas payer mon soupe. Alors qu'il y a un en France. À son bel et bien inospé. Point est-ce que. C'est-à-dire, toutes les possibilités sont là. Mais, de toute façon, bibliété. Tu comprends, non,
Donc la France, concert en France, tout Belgique, je crois Belgique. Hein. Donc la Belgique Mobimba, nous tout est bien arrêté, t'es comme mes belles, t'es mes bandes de côté, comme graduellement, plus par jour réseau pour ça. Parce qu'au bas tout bas, c'est là les jours J, tous un mot d'ordre, bah on va pèser qui entre tigre. Ah pardon. On essaye de trouver une explication pour justifier ce qui se passe. On va justifier quoi, la billetterie était déjà ouverte, chef. On va justifier quoi même. 19 aujourd'hui, un instant, le 27, du 19 au 27. Tu sais qui a découvert l'embouchure du fleuve quand? Mais c'est... Attends, Yomo, c'est... Mais il fallait justifier quand même son passage là, parce qu'il fallait découvrir ça. On doit quand même justifier le fait que Moutouta Sombi bien innocent. Non, il faut te trouver une explication. Peut-être que tu es au jour à jour J, peut-être que tu es la dernière semaine, peut-être que tu es tous en Mbamoko, après tu es lancé, paf, tu es au sommet, tu es soldat, Mbamoko. Ça doit avoir une explication, ça doit avoir une raison, un soubassement. Ça n'a pas d'explication, papa. Donc, dès que tu vas dire que tu es normalisé, tu es au bien. Si tu es au bien, tu es au découvert, tu es au bien, tu es au bien, tu découvert, carrément. Donc, à ta bateau, bazar va bien à bon bah mélomane, c'est-à-dire un fanatique X, Y, t'es un fanatique à mélodie. À ta bah mélomane, bah sombité, bah tigre, bah sombité, bah gaulois ou bah ébique, il nous suit à une malaffaire, bah yuma bah vida kala bah sombité, bah taouengé, spirit héritier, ou bah ébique, il nous suit à yemba nawera, bah sombité, il nous suit à soutenir bah concert, y a ferré, y a héritier. Bah toi, tu vas soutenir. Il n'était pas soutenu qui concert. À ça la vidéo pour le concert. Bah, c'était genre un poste et tout ça là. Même Spiritas monte pour obéir à ordre héritier. Non, c'est que billetterie, ils ont peut-être un bug. Même un bug, c'est ça là, non? Au moins, encore, tu vas soutenir. Tu vas déjà venir au somme. Si après, ton bug est sili et bimisi statistique, non, normal. Mais audience, ils ont le rôle, ça a maté dans le milieu de la musique. Que tu as mis ces billetteries, tu as son bébé. Ok. Parce que ce soir encore, je vais encore vérifier. Même pour donner de l'élan, il y a bah, achat billet. Même il y a un artiste à Kosumba, sous une autre appellation ou sous un autre, ou une autre identité carrément. Concert, il y avait quoi tu es bappé suite, il y a 1er juillet, ou dans la clameur. Ça, au moins, on a vu. Tout le monde a eu un billet. Moi, 10, moi, 29. On même concert à Ouéra, ou tu as changé date, ou tu as changé qui lieu et à concert. Tu as eu un billet, place à le bosser. Kasi ata monda monda mwezaki, mais c'est quoi on a tombé le côté. Même concert à faire et au badat ils a meli melo on a battu bas kenya kolu kabadat on a na basi on a pour basso babillé. Ok. Moi ça commence à me perturber. Mais ouais ça dépasse. Inosbi. Faites quelque chose. Ah c'est ça. Hein? Faites quelque chose. En tout cas il doit faire quelque chose. Ah mais tu sais vieux. T'as bêté au lit sur mon corps. Nandi Tracy et les Akunako, premier disque d'or. Et Zoma Kalami était la dynastie 2. Premier disque d'or na Congo. Ok. Certifié. Na Congo, ah. Oui. Tu as bandit d'ailleurs certifié. Moi, je suis certifié par disque d'or. Non, on a bandit projet. Là, il y a Congo, il y a des vancés. Mais clairement, un projet, c'est un projet protégé. On a le droit d'auteur. Droit d'auteur, Nani. Je suis bandit certifié par disque d'or. Ah, on a porté plainte. Parce qu'il y a des années, Mikanda. Pour nous créer une structure certifiée par disque d'or, on a compris. Les Ivoiriens, ça, ils vont certifier. À partir de 10 000 ventes, ils vont certifier. Grâce à ce qu'on a dans la salle, on a les projets sont protégés. Parce que la certification est dynastique, on a appris ça. Mais la certification est à Poto. Certification à Poto. Ah, il y a Poto, donc la pays, France. Ici, ouais. Mais donc Snap. Oui, exactement. Mais ce que l'album Alibosso va certifier, il y a Bissot. Awa. Je comprends, rien là. Genre chez nous, on a encore certifié aucun album. Na Snap. Oui. Déjà, il faut commencer par poser la question à Tracy Eleza. Snap certifie quel album? Producteur, on a fait un document ni en France. Bon, peut-être il faut pas espérer certification export. Oyo, album est posé en produit, bah il était comme il est gagné ça. Oyo, n'ango kuna au soumettre. Pour bah il même pas né une certification salama. Certification moko ezalaka enquête na bango moko. Certification monsieur Zara faut bien de bois soumettre. Que nous avons vendu en Belgique autant lien na biso yango ni na producteur yango ni yango ali babanis ko ba enquête. Ya ba benga ngo certification export. Ya obote ki na ba pays nyonso. Certification ya Snap. Il faudrait bozala soit na circulaire sale kuna so bozala ba document tout kuna na France.
Donc, le document nous sous-entend que vous avez une taxe. Que ce soit un label français ou étranger, mais vous avez une taxe vous avez officiellement dans la FNAC et puis vous avez compté le streaming. Parce que les gens ont autant de streaming qui vaut un album. Eh, bah, écoute en ligne, qui soit combien, mon nombre, mon robot et tout, et attendre ça, mon robot, ça équivaut à un album. Ce que techniquement, bilo qu'on soit au loba, la réalité à fonctionnement Snap, ça va à l'encontre. Il y a le quoi au lobby, né na boué, calaté, na ako manazemi, mais na mwambal. Comment mwambal, comment? Eh, il y a le quoi makambu ya lobby, donc à lobby le mot est ça maté. Comment c'est ça les matés? Ils espèrent que Dynastie est. Peut-être à voir que Dynastie a le premier album Rumba où il a certifié la Snap. Alors on va comprendre. Peut-être, hein? Peut-être pour ma nuance kaka. Peut-être kaka. Attendons les discuteurs. Donc, ce qui est au bon, là, il a parfaitement raison. Attendons les discuteurs. Mais si quoi, le problème, c'est quoi dans tout ça? À un moment donné, il faudrait. Tout est débattu pour Bazara Pena Pena Bartiste. Gims n'est jamais allé chez Ferré, mais il y a les gars dans la même émission à l'objet que Gims est allé pas Ferré. Alors que c'est faux et archi faux. Mais surtout, il y a un hôtel Gims avant là, tout le monde a un hôtel. Il y a un ça ne fait pas avancer la musique. Mais quand est-ce qu'on parle d'un disque d'or? Disque d'or, ils allaient pour qu'il y ait un concours, tout nomination. Disque d'or, ils allaient pour qu'il y ait Basombio, comme 50 000 personnes au Basombi, album na yo, que ce soit en physique, na Fnac, en physique, faisant na Fnac, tout, na bas streaming, tout na bas chant en ligne, bas ça les comptages na yo, et puis si 50 000 exemplaires. Quand on commence à 50 000 et 1, il y a moins de commencer à plus de 50 000. Faisant 50 000 juste, on peut sauter. Maintenant, si quoi, technique na yo, monsieur Zanin, comptage des ouara. Bah, tant on a une période. Qui va dire que de telle à telle période, toujours ça comptage à l'album, il y a telle année à telle année. Dynastie est bimignon sauté. Dynastie est un ou deux. Peut-être le deux. Deux albums, bah, personne ne dit ce qu'il y a d'or. Ils ont l'atteint. Ils ont l'atteint. En fait, ce qui est un peu informatique, au côté d'un site, autant la condition pour la certifier. Bah, certifier des albums, nani moroté. Au moins, au salon, bah, ben, rango, techniquement, la musique, bah, ben, rango, réédition. C'est-à-dire, je sors un projet, mais nani, na boosté vente, nango, na bimi, si sou quelqu'un, zé, mon habit, ben, zé, mou, bimi, a peka, kuna. Ok. Donc, ben, zé, mou, wana, au zé, la, on, bah, bénéfice, au délai album, mou, kuna, te. Mais, bah, vente, yon, sou, salon, wana, et koti, kuna, net, c'est à boue. Bah, album, mou, fallait, teka, li, bosso, na, ou, a, teki, na, tokos, de réédition. Jour, écoute. Atteindre Sey, bon, puis c'est l'on peut disque d'or, pas séparément. Parce qu'ils ont deux albums. Ils ont un album, Moko, et le Kola, Nabimisa qui a un Ndambo. Ndambo est tiré à et bien Makaka. Mais nous sommes là, même projet. Maintenant, surtout une bataille, nous sommes tous maîtrisés. Nous avons créé Snap Moussous avec fonctionnement Moussous. Tout le monde. Et dans tout ça, ma ben n'a pas ce que les années. Et Pesaka, ils ont quoi alourdir les fanatiques. Parce que les fanatiques sont censés être une unité. Aux artistes à gagner Nango. C'est qui un vrai fanatique? C'est celui qui consomme légalement son artiste. Parce que bah, fanatique, je suis ça bah, en termes de catégorie, il y a un fanatique oisif, il y a un rare concert. Est-ce que vous avez un vrai fanatique ou un consommateur à consommer artiste illégalement? Alors, quelqu'un qui est allé sur YouTube et m'a le nombre de vues. Or, on a nombre de vues, plus pour autant la mamakasi, plus c'est ça la ka, pour bien avoir une proposition YouTube. YouTube, il y a moi, comme ça, il y a surtout bien AdSense. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle ça Hades. Et ça, na Hades, il y a un somba, na Hades, au YouTube, il y a moi, comme qui est proposé, il y a pas battre. Parce que quand il y a un premium, et comme il y a un mati makasi. Ok. Sauf qu'au côté de tendance, moi, quand il y a un fil d'actualité, mon clip, il y a un Nigérian, il y a un bimilikolo. Oui, côté là, il y a brusquement des Hades. Mais écoute, en attendant, c'est comme on bimana fil d'actualité. Non, en haut, il y a fil d'actualité. C'est ça un fanatique ou un consommé artiste. Fanatique ou un consommé artiste, c'est ça. Avant de dire que non, pas artiste, c'est un yo. A ce disque d'or. Sous la possibilité de sombayer dans la FNAC, dans le site officiel, il faut utiliser un streaming tel, tel, tel. Il y a un monde, ce n'est pas un compte, il y a un nombre, il y a un écoute à Kuna.
au moins on a bâti comme un player on a bâti la maquette bon qui ne bah streaming ça affilié na snap mais quelle est la campagne au bangou basali pour orienter bâton au bangou bon album email bosso qui est au bas streaming non qui est au la bas top tendance c'est bas streaming non au moins on a même Kofi allez qui fait la streaming à Kofi à quel âge faire à quel âge et ça parmi biloko quand on est porte-parole d'un artiste, quand on passe, on ne doit pas passer pour faire genre. Alors, on est dans le Cameroun, on a bien un genre. Alors, on est sur Mikoumissa, puis surtout aux autres. Le disque d'or, ce n'est pas imaginaire. Vendu, et puis. Pour avoir. Bah, compté, bah, mon qui est au coquissi, bah, pessi. Disque d'or, ils ont monté, au bidon de Boya, au forcé, c'est un peu. Mais, bisous, disque d'or, on a bien sûr, et à thé. Donc, dès qu'on a bien sûr, on a bien sûr, qu'ils essaient un peu d'apprendre d'abord au départ. Et puis, il faut communiquer ce que les fanatiques sont. Parce que quand les fanatiques croient dans Malobano, c'est que Malobano est un crédit dans la carte. Alors, Malobano, si vous désorienté, il faut désorienté dans les fanatiques. Tant que vous êtes désorienté dans les fanatiques, vous avez un calendrier, vous avez un bimaka, les fanatiques sont en train de se faire. Vous êtes désorienté dans les fanatiques, vous avez un album, bima. Même Laura Tandas était dans l'obligation. Et on a la note que pour avoir besoin d'informations en solo, il faut que les gens n'aient pas de GFR. Parce qu'on a des informations, il y a le bureau. Tout ça, on est. Pour vous dire pas j'ai fait. Ah d'accord. Moi place les gens comment bien. Bah c'est cloué bah mon monde. J'ai dit je vous remercie. En tout cas je te remercie aussi. Il a tout dit. Puisque l'information n'est pas sortie de la page officielle de Ferregola, devons-nous prendre cela en considération. En tout cas, il se pourrait que très bientôt je retourne encore à Brazzaville. Il se pourrait. L'Olande. Hein? On a problème dans la maison. Juste dire d'aimer l'Olande Tinapé. Voilà, il se pourrait parce que Festival La Chine déjà, hein, très bientôt, là, le 7 septembre, Festival La Chine et les Kabongo. DJ Caps, je te salue. Ah, Abi Kalaten, Engai Brazé. Tiens, mon baya. Tu as des choses à dire comme ça, on va se séparer. On appelle un peu, c'est en tout cas, bah, tout le monde a Brazé en beauté. Tout le point noir, c'est mon nom de Stéphane, la boutique Scottman. Déjà, je vais vous dire comment je suis. Ok. Tant que nous sommes à Brazza. Je partir à Brazza déjà pour vous. Eh oui. Scottman, ils appellent à Brazza. Donc, tu peux aussi me comment la paix, tu peux aussi me dire en droit. VOD, il y aura un mari, il y a un mari, Makita. Ils ont déjà vendredi, surtout aux Analiba, là. En tout cas, il y a des choses dans tout. Il y a la team Nabiso, Mireille Floriona, Iran Biuma, Bernard Chamala. Tati Eric, Longo Kimombel, merci pour la première dame de Lausanne. Rijandé Loua, un enfant pas comme les autres. Tout aux alarmes, on te peut si bon beauté, te peut choper, merci pour l'invitation. Merci beaucoup Thierry Mambaya, ça a été un réel plaisir, comme d'habitude, de te recevoir encore une fois. Malheureusement, au moins après. C'est ce que j'allais dire, bien que c'est la dernière fois pour cette semaine, et la semaine suivante peut-être, et la semaine d'après encore peut-être, mais on va toujours finir par se recevoir. Oui, un mois en décembre, c'est qui est sûr. Décembre, c'est trop loin. Décembre, on a pu surtout que Côte d'Ivoire, le concert a fallu. C'est trop loin. Donc, ce qui est là, là. Attends, la balle, c'est l'émission. Balakine, balle, bois, bonjour. Tant on est dans le beau équipe, on saute au Athènes. Claudie, mais ça a été l'image de la monde de M. Sili. Spiritu. Ce soir-là. Et M. Sili,